Merci beaucoup de nous honorer par votre présence. Merci de m'honorer en prenant la parole. Je dis que le Triat Ametim, c'est un bon sujet lorsqu'on est fatigué. Il faut se réveiller. Trouver la Tria. C'est toujours un bon sujet. C'est surtout lorsqu'on parle de la pluie. La pluie, vous savez, fait partie des trois choses qui sont appelées les clés qui n'ont pas été transmises à aucune autre personne qu'Akadosh Baruch Hu. Si on peut parler de personne. Shalosh Maftechot. Il y a évidemment la naissance, Mafter Shel Chaya, la clé des pluies, avec toute la technologie et toute l'avancée scientifique, même si on arrive à prévoir plus ou moins quand il va pleuvoir, et encore, en tout cas, on n'arrive pas à faire pleuvoir. On ne peut pas trouver le système pour amener des nuages et crever des nuages. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu parler d'un... Ça, c'est Mafter Shel Geshamim. La même chose pour l'accouchement. Vous demandez à votre gynécologue. Alors, c'est quand l'accouchement? Ce sera quand exactement? Je veux prévoir, je veux m'organiser par rapport aux brides, par rapport aux beaux-parents, parents, machin. Il vous dit, je ne sais pas. Ça peut se déclencher d'un jour, repartir. C'est Mafter qui... Et Mafter, pardon? Ils arrivent à programmer quand même. Ils n'arrivent pas à programmer l'accouchement. Ils arrivent à faire une césarienne. Mais s'il n'y a pas de césarienne, ils ne peuvent pas le programmer. Et il y a Mafter Shel Triat Ametim. Tout ce qui est lié à la chaim, à la vie, est resté, entre guillemets, n'a pas été transmis à aucun intermédiaire. Je voulais aujourd'hui étudier avec vous, en fait, un passage qui se trouve dans le Leshem Shvo Vahlama. Leshem Shvo Vahlama, c'est un livre de Kabbalah écrit par le Rav Shlomo Eliashiv, le grand-père du Rav Eliashiv dont vous avez peut-être entendu parler. Le grand fameux Possek, le Rav Shlomo Eliashiv, c'est un des derniers kabbalistes ashkénazes reconnus par tout le monde pour étant une vraie voix de la Kabbalah, et qui a écrit un chapitre sur Triat Ametim, et qui est un chapitre que je pense tout le monde doit connaître, même si ce n'est pas de la Kabbalah, c'est vraiment un sujet que nous devons tous connaître. Alors d'abord, premièrement, rappelons-nous
que Triat Hametim fait partie des 13 articles de foi, ce qu'on appelle les Shloshesre, Ikare et Muna de Rambam Maïmonide. Comme vous le savez, ça fait partie donc des fondations de la Torah, du judaïsme. Et si quelqu'un est kofer et ne reconnaît pas Triat Hametim, eh bien, c'est appelé un renégat, etc. Bon. Triat Hametim, je vous lis les mots de Rambam. Ou yesod mi yesodé Moshe Rabbeinu. Ve'en dat ve'lo dvekut bedat yehudit le mi shelo yamin baze. Avalou la tzadikim. Alors, c'est réservé aux tzadikim, Triat Hametim. Mais, en tout cas, la foi, la croyance, l'adhésion à ce principe, c'est un élément fondamental, un yesod. Ve'en dat lo dvekut bedat yehudit le mi shelo yamin baze. Donc, c'est des mots très forts de Rambam. Mais ces mots m'ont toujours perturbé. Pourquoi ? Parce que, Baruch HaShem, j'ai retrouvé cette question dans ce livre, mais il se trouve que cette question a déjà été posée par le Sefer HaIkarim. Le Sefer HaIkarim pose une question qui, à mon avis, devrait nous déranger à tous. Pourquoi ? C'est un fondement du judaïsme. Pourquoi ? Si je crois que la Torah a été donnée au Sinaï, qu'il y a Sachar Veonesh, le salaire, la récompense, etc., que je crois que que Dieu existe, etc., tous les autres fondements, les 12 premiers fondements, franchement, on peut comprendre que c'est quelque chose de fondamental, indispensable. Mais quelqu'un dit, écoutez, moi, je ne crois pas à la résurrection des morts, mais je crois en la venue du Messie, je crois en fait que Moshe a donné la Torah. Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie de ne pas croire en Triat Hametim ? Qu'est-ce que ça va changer ? Tu ne crois pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça va changer ? Alors, sachez que on découvre ici que ça change, mais pourquoi ? Le pourquoi, c'est ça la question que je voudrais poser. Le Sefer HaIkarim pose la question. Ici, il le rapporte dans son livre Mahari Albo. Le Sefer HaIkarim, Amarishon Peregimel. Quel problème ? Je vous rappelle que Triat Hametim, c'est apprendre vraiment au premier degré déjà. Il s'agit de résurrection, c'est-à-dire que les corps vont se relever, c'est bien ça, hein, les corps vont se relever, est-ce qu'ils seront exactement comme aujourd'hui, etc., purifiés sans doute, mais les corps vont se relever, ça fait partie des fondements de la Torah. Maintenant, deuxième chose qui me dérange beaucoup, c'est la deuxième beracha de la Amida. Mechayem etim, chez les Ashkenazim, c'est cité 5 fois, chez les Sfaradim, je crois, 3 fois, Mechayem etim, la Chayot metim, c'est vraiment une répétition, tous les jours, 3 fois par jour, deuxième beracha, 3 fois dans la deuxième beracha. Franchement, ça va, c'est pas... Pourquoi parler de Triat Hametim ? Alors vous savez pourquoi ça se trouve dans la deuxième beracha ? Parce que la deuxième beracha correspond à celle de Avraham la première, Magan Avraham, la deuxième c'est Yitzhak, et que Yitzhak, il a vécu Triat Hametim d'après le Midrash, qui nous dit qu'il est mort et qu'il a revu, Baruch Ata Hashem, Chayi Hametim, c'est lui qui l'a. Bon, vous connaissez déjà par cœur ça. Mais pourquoi cette insistance sur Triat Hametim ? Voilà la question que je veux poser, et je pense que c'est une question qu'on doit tous se poser. La première chose que je voudrais citer ici, c'est le Rav Dessler. Le Rav Dessler, dans son livre Mirtav Meliao, il dit déjà que lorsqu'on dit Mechayem Etim, il faut penser, en tout cas, on peut penser à autre chose que simplement la résurrection des morts, qui est déjà un point très important, et qui est de dire, en fait, Triat Hametim parle également de la Teshuvah. Teshuvah, pourquoi ? Parce que Teshuvah, c'est une forme de Triat Hametim. Alors déjà, on commence à découvrir quelque chose d'autre. Triat Hametim, la Teshuvah, quel rapport ? Les corps qui se relèvent, Triat Hametim, quel est le rapport ? Prochain indice, c'est écrit Vayitzer Hashem Elohim et Adam. C'est écrit Vayitzer, on va le lire ce Shabbat, Bereshit. Vayitzer, ça veut dire quoi Vayitzer ? Vayitzer, il a formé, construit, créé. Vayitzer, c'est Tzura, hein, c'est donner une Tzura. Donc c'est écrit avec deux Yud, deux Yud. Vayitzer, écrit avec deux Yud. C'est une anomalie, on n'écrit pas avec deux Yud. Pourquoi c'est écrit avec deux Yud ? Rachid explique. Echad l'olamazé, une création pour ce monde, et une création pour Triat Hametim. C'est-à-dire que dès la création de l'homme, il y a une sorte d'élément secret, comme une sorte, vous savez, j'imagine une valise avec un fond invisible a priori, mais qui dans lequel vous cachez la drogue et le gobier. C'est-à-dire, en fait, il y a une sorte de deuxième partie de notre être qui a été créée déjà au moment de la première création, et une sorte de deuxième chose qui est là en nous, qu'on ne voit pas, qu'on ne soupçonne pas, qui est notre option numéro 2, qui est notre deuxième vie, qui s'appelle Triat Hametim. C'est déjà mis en place au moment de la première création. C'est-à-dire, Adam Arishon a été créé avec ce double fond, c'est-à-dire ce qu'on a vu et ce qu'on ne voit pas.
Et vraiment, je ne comprenais pas pendant des années pourquoi Triatamétim, pourquoi c'est important, etc. Alors, les Chemchou Vahlama, au départ, il nous plonge dans le désarroi le plus total. À part cette question, il a une question beaucoup plus grave et beaucoup plus essentielle, qui là aussi, je vous dis, il faut absolument se la poser, quoi qu'il arrive. La question du Lechem Shevou Vahlama, si je me cache un peu derrière ce livre, parce que je ne sais pas si j'aurais osé poser la question à moi-même, mais je pense que c'est une question que nous devons tous nous poser. C'est quoi? C'est que tout simplement, si on fait le constat de ce qui se passe depuis 5782 ans, et qu'on devait donner une note à Kadosh Baruch Hu sur le bien fondé de son organisation entre les forces du mal et les forces du bien, et l'équilibre entre ces deux forces, on lui donnerait une note très basse. A priori, je lui donnerais une note très basse. Pourquoi? C'est un peu comme si Blanquer, vous connaissez Blanquer, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, il mettait le bac, alors lui, il a fait le contraire, mais s'il mettait le bac un peu trop dur, un peu difficile, très difficile, il mettait le bac à un très haut niveau, et finalement, à la fin du cours, il y aurait 40% de gens qui auraient réussi le bac. Là, on est à 98% qui le réussissent. Mais imaginons qu'il était à 40% de réussite. Là, je pense qu'il devrait prendre ses valises et déménager parce que, et partir de son ministère, parce que c'est pas, ça ne va pas. Là, aujourd'hui, d'après le niveau d'exigence de la Torah, 613 000 sotes, c'est les quatre parties du Shulchan Aruch. Si on regarde combien de personnes arrivent à faire le Shulchan Aruch depuis le début jusqu'à la fin, eh bien, je ne veux pas dire de chiffres, je ne veux rien dire, mais je crois que le résultat n'est pas très probant. Déjà, nous savons tous très bien que nous sommes a priori 14 millions de juifs. A priori, on ne sait pas très bien qui a pensé et qui a trouvé ce chiffre, mais bon, imaginons qu'il est vrai, plus ou moins. Mais sur les 14 millions de juifs, combien de juifs font le Shulchan Aruch déjà? Combien? Alors, ils ne savent pas, les pauvres, tout ce que vous voulez, des excuses, tout ce que vous voulez, mais le problème qu'il y a, c'est que lorsque vous demandez à des gens, disant, voilà, messieurs, le but du monde, c'est d'appliquer la Torah et les mitzvot. Et en plus, je vous donne le Yetzer Hara, Yetzer Tov, l'équilibre, il y a un déséquilibre total, il y a des échecs sans fin. Et finalement, si vous regardez toute l'histoire du monde, vous dites, mais finalement, combien de temps on était tranquille, cool, machin, à l'aise dans nos baskets? Combien d'années sur les 5782 ans? Comment Akadosh Baruch Hu, il crée Adam Arishon, c'est la paracha de cette semaine. Dans l'heure qui suit, il faute. L'heure qui a, ça n'a pas pris plus d'une heure, peut-être deux heures maximum. Il a fauté l'heure d'après. Regardez le Ran qui rapporte la Psikta Rabati, exactement l'ordre de la création de l'homme. L'homme, il a été créé à midi, il s'est levé et il a fauté à 2-3 heures. Enfin bref, il a fauté dans le début de l'après-midi. Il a été chassé du Gan Eden dans le jour même. Enfin, on est dans une folie, quoi. Ça n'a pas duré longtemps. Shlomo Ameler, il inaugure le Bet Amigdash. C'est un grand jour. La Shechina, l'Anna, c'est la folie, c'est la extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe cette nuit-là? Vous savez ce qui se passe cette nuit-là? Il se marie avec la fille de Paro, Bithya. Et vous savez ce qui se passe? Il se passe la chose suivante, on dit l'ange Gabriel est allé en pleine mer Méditerranée et il est allé enfoncer un poteau, un grand poteau de soutènement pour y créer une île qui est devenue un pays, qui est devenue la botte d'Italie, c'est-à-dire il a créé Rome. Cette nuit-là, où Shlomo s'est marié avec la fille de Paro, c'est moi qui l'invente, c'est écrit dans la Gemara. Na'atz Kane, il a enfoncé littéralement une grande perche dans laquelle il a, c'est évidemment une image pour nous dire que l'origine de Rome, qui c'est Rome? C'est celle qui a détruit le deuxième temple. Ça a été mis en place, ça a commencé le processus au moment de l'inauguration du premier temple. Pourquoi? Parce que Shlomo a raté le rendez-vous. Pourquoi il a raté le rendez-vous? Parce qu'il s'est marié avec la fille de Paro. Et écoutez bien le résultat, le lendemain matin, c'est sa mère qui est allée le réveiller parce qu'il avait festoyé avec cette femme et que la clé qui permettait d'ouvrir le Beth Amikdash était sous son oreiller. Donc il a fallu le réveiller. Et ça fait tâche quand même. C'est quand même le premier jour. Et il se marie la fille de Paro. Ouais, c'est un... Alors encore une fois, soyons très très raisonnables. Il faut bien comprendre que Shlomo Ameler, si c'est marié avec la fille de Paro, c'est qu'il avait une vraie intention et beaucoup plus profonde que tout ce que nous pourrions penser, imaginer. Il voulait tout simplement terminer l'histoire du monde en faisant tout simplement la fin de l'histoire. Il y avait Moshe qui a essayé de convaincre Paro. Il n'a pas réussi à le convaincre. Il a fini dans l'eau. Il a voulu maintenant résoudre le problème en s'unissant avec Paro, c'est-à-dire en résolvant totalement la problématique, en essayant de faire en sorte que la superpuissance de l'époque accepte la suprématie d'Israël et comprenne l'unicité de Dieu, etc. Il avait des idées, je ne vais pas les développer ici. Mais ce que je vais vous dire, c'est que tout simplement, à chaque fois qu'on est en train
de réussir le rendez-vous, c'est patatras, et c'est l'histoire de Shir HaShirim. Mademoiselle est allée se coucher, monsieur, le bien-aimé, toque à la porte, et le temps qu'elle se lève et qu'elle ouvre la porte, eh bien, son bien-aimé est déjà parti. Donc on est véritablement dans un rendez-vous manqué. Je vous pose la question, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu rate, nous fait rater et nous met dans une situation d'échec? Et si vous lisez bien les Gemarot, vous voyez combien le Yetzer Hara est développé dans ces Gemarot comme étant une force incroyable, il faut qu'Hachem nous aide, sinon... Donc la question est une question très difficile. Comment noter Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il a fait dans ce monde? A priori, le résultat n'est pas à la hauteur d'un Dieu parfait qui normalement est censé faire quelque chose de parfait. Alors parfait, non. C'est sûr qu'il avait l'intention de mettre l'homme dans le libre arbitre et de faire... que l'homme, on est obligé évidemment de se battre contre les forces du mal. Le but, le jeu de la création, c'est le libre arbitre. D'accord. Mais ne met pas un déséquilibre aussi important en faveur des forces du mal. N'est-ce pas? C'est terrible. Donc voilà la question, mais je la fais courte, du Lechem Shuvah Vahlama, et qui ose cette question. Alors, là-dessus, il répond. Et cette réponse, on devrait tous la connaître. Il dit que c'est pour cela, pour cette question, à cause de cette question-là, que Triat HaMetim est un des fondements de la Torah. Incroyable. Il dit que Triat HaMetim répond à cette question, à toutes ces questions. Où était Dieu à la Shoah? Qu'est-ce qui se passe avec tout le... Tous les questionnements de l'histoire, les échecs, tout ce qui paraît être une horreur dans l'histoire, tout ce qui paraît être insupportable dans l'histoire du monde, et en premier lieu, ce problème de déséquilibre dont j'ai parlé, tout cela est répondu par Triat HaMetim. Sauf que quoi? Sauf qu'il faut savoir le comprendre. C'est quoi Triat HaMetim? Alors j'ai commencé à parler de la Teshuvah. Alors la Teshuvah, c'est déjà très intéressant à étudier. C'est déjà un sujet qui nous parlera à tous. Je pense qu'ici, tout chacun a peut-être pu faire cette expérience. Des fois, l'erreur, la Avera, peut être le début d'une rédemption, d'un retour qui nous amène plus loin encore que si nous n'avions pas fait la Avera. Voilà. C'est quelque chose qu'on voit autour de nous. Des gens qui ont pu faire des graves fautes et qui, à cause de cette faute très grave, ont pris conscience de leurs erreurs et après sont allés beaucoup plus loin grâce à cette tshuva. Donc c'est une tshuva, mais un vat, tshuva mi'ira, mais en tout cas, la tshuva fait prendre conscience à certains jours. Donc c'est un peu Triat HaMetim. Pourquoi Triat HaMetim? Parce qu'il faut sortir le mot metim, qui veut dire la mort, le cadavre, on pense à un cadavre. Metim, c'est tout ce qui est mort, tous les temps morts, les expériences, les échecs, tout cela... va se relever, va avoir une deuxième vie. C'est-à-dire que finalement, Akadosh Baruch Hu va démontrer que tous ces échecs apparents de l'histoire, comme le Maboul, Mabotai le Maboul, 1600 ans et quelques, après la création du monde, il efface tous les êtres vivants sur Terre. C'est honteux, hein, Dieu qui fait une erreur. Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu va expliquer, en fait c'est ça la notion de Triat HaMetim, c'est en fait un grand film. Vous imaginez un film où nous serons tous des spectateurs, nous verrons défiler donc un film dans lequel Akadosh Baruch Hu va reprendre l'histoire du monde dans les moindres détails, depuis la création jusqu'à la fin des temps. Et qu'est-ce qu'il va démontrer? Il va démontrer qu'en vérité, tout ce qui s'est passé dans l'histoire, tout, tous les détails, tout ce qui nous paraît incompréhensible, va prendre un sens grâce justement à cette projection dans laquelle Hachem a montré que finalement, ce qui paraissait être une erreur, un échec, etc., va prendre une tria, va avoir une deuxième vie, va avoir un nouveau sens. En fait, chers amis, pour donner une image, je sais que vous ne regardez pas des films, mais imaginons que vous regardez quelques films, il y a des fois des films qui sont très difficiles à comprendre au départ. Vous voyez, il y a tel acte, c'est bizarre, je ne comprends rien dans ce film, et à un moment, vous voulez laisser tomber, vous dites, bon, je ne sais pas, un Rachid Osfot, qu'il faut faire du Iyun et Marcha sur un film, hein, on passe à autre chose. Bon, il y a des films comme ça compliqués, mais à la fin du film, vous dites, ah, d'accord, maintenant j'ai compris pourquoi ceci, cela, etc. Vous comprenez le film à la fin. Nous, en fait, ce qui nous manque, c'est la fin. Et la fin nous paraît un peu difficile à expliquer. Donc, mais une fois que la fin sera comprise, je comprendrai plus facilement, en tout cas, tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à la fin. Donc, en fait, Triat HaMetim, la Emouna dans Triat HaMetim, c'est de croire qu'Akadosh Baruch Hu a des explications à donner sur tous ces échecs et toutes ces souffrances et toutes ces choses bizarres qui ont l'air d'être complètement, perdues, ratées. Et il nous dira, non, c'était nécessaire pour arriver à ceci et cela. Alors, aujourd'hui, c'est impossible de dire une chose pareille. On ne peut pas dire, voilà, c'était bien, c'était pour le bien. On ne peut pas, parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Mais notre émouna, c'est que ça trouvera un jour une tria, une deuxième vie.
Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Le Ramchal, très important de connaître ce Ramchal dans Da'at Vunot. Le Ramchal développe un élément très important sur la notion de la résurrection du corps. Le corps qui doit se relever dans Triat HaMetim. C'est quoi le corps qui se relève à Triat HaMetim? Ça, il faut bien le comprendre. Qu'est-ce que c'est que le corps qui se relève? C'est quoi cette nécessité de parler du corps? Si, par exemple, je vous parle de la vie après la vie, vous pensez à l'âme, n'est-ce pas? Vous dites l'âme. Le corps, il est dans une boîte, il est dans un trou. Et voilà, on n'en parle plus. À la limite, le corps, c'est un peu comme un habit. Une fois qu'il est usé, vous le jetez. Mais ce qui est important est invisible pour les yeux, comme dirait le petit prince. Ça veut dire que ce qui est important, la Neshama, elle, c'est elle qui va avoir des comptes à rendre. C'est elle qui... Et ça, c'est une erreur mais fondamentale, terrible dans le judaïsme. De croire que tout se joue au niveau de la Neshama, c'est n'avoir rien compris, rien de ce que c'est le judaïsme. Le judaïsme, c'est justement pas ça. Le justement, c'est de dire qu'il y a une notion de Nefesh. Nefesh, c'est un mot magique, mais qui est un mot très difficile à traduire et expliquer. Nefesh, c'est une partie de l'âme, mais c'est une partie de l'âme qui est imbriquée dans le corps et qui est en fait ma personnalité. Chacun d'entre nous ici, il sait que lorsque une personne, on la voit physiquement, on a tous en nous une idée de sa personnalité. Lorsqu'on la connaît bien, on sait quels sont ses midot, ses traits de caractère, son vécu, ce qu'il aime, ce qu'il aime moins, ses attirances, c'est tout simplement ce qui forme sa personnalité. Ça, c'est le nefesh. C'est la partie de l'âme imbriquée dans le corps. Donc, en fait, croire qu'après 120 ans, il ne nous reste que la partie âme, c'est se faire une erreur gravissime. Après 120 ans, ce qui va rester, ce n'est pas seulement l'âme. C'est l'âme avec une partie du corps, mais pas la chair et pas les os. C'est la personnalité. C'est difficile à définir, ce moi, très difficile à définir. Qu'est-ce que c'est le moi? Le moi a été défini par le Rav Olbe dans son livre à l'Échour. Qu'est-ce que c'est lorsque je dis « je » ? Moi, je voudrais. Moi, personnellement, je. Vous voyez cette phrase un peu « moi, personnellement, je ». C'est qui parle ? C'est qui ce « moi » ? Qu'est-ce qu'il y a dans le « moi » ? Et le Rav nous a expliqué quelque chose de très important. Le « moi » est composé de deux éléments fondamentaux. Si on vous demande « c'est qui votre « moi », répondez au nom du Rav Olbe, deux choses. Il y a un élément en nous qui fuit ce qui est désagréable et qui recherche un certain confort, un bien-être, ce qu'on appelle « Tsar, celui qui fuit le tsar, ce qui sait souffrir, et qui va le pousser vers la chose qui, au contraire, est un oneg, la recherche du bien-être, du plaisir, de la délectation, du confort. Et il y a la fuite de ce qui fait mal, du tsar. Ça fait partie intrinsèque de ce que nous sommes. C'est notre ADN, il faut savoir. Alors, ce n'est pas comme les gens pensent, la recherche du plaisir pour le plaisir. La recherche, tout simplement, d'un bien-être. Et le fuir, quelque chose qui me dérange. Une souffrance quelconque, qu'elle soit morale ou physique. Ça, c'est une partie du moi. La deuxième partie du moi, c'est ratson, c'est la volonté. Mais vous savez, la volonté, ce n'est pas ce que nous appelons, nous, la volonté. Lorsque je dis « je veux », moi, je traite toujours dans ma tête. Quelqu'un me dit « je veux », je lui dis « attends, là, tu es en train de dire « je voudrais vouloir ». Est-ce que tu veux vraiment? Parce que si tu veux, tu vas faire. Mais est-ce qu'on veut vraiment? Le ratson, c'est très profond. C'est une vraie volonté, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le moi est composé de ces deux éléments. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre une vie avec simplement des galères. On ne peut pas dire, voilà, ma vie, je sers Dieu, et ma vie de servir Dieu, c'est de vivre que des souffrances. Ce n'est pas possible, parce que ça ne fait pas partie. Ton moi est composé de cet être qui dit, je ne veux pas vivre que des moments, j'ai besoin de sentir des moments où je suis bien. Je suis à l'aise, je ressens un certain bien-être. C'est pas possible d'avoir... Alors, on peut pas avoir que du bien-être. Mais notre ADN fait partie. La preuve, c'est qu'après 120 ans, on nous dit qu'on aura un salaire, on aura une punition. Mais c'est sur quoi qu'elle va jouer? C'est sur ce sentiment-là, ce moi, qui ressent ce qui est agréable et qui ressent aussi ce qui est désagréable. Et ça fait partie de notre ADN, de notre moi. Et le ratson, la volonté. La volonté fait partie de notre ADN. Il y a une troisième chose, c'est le libre-arbitre. L'exercer le libre-arbitre. Le libre-arbitre, ne croyez pas que c'est quelque chose que l'on exerce obligatoirement. Il y a beaucoup de gens qui croient avoir choisi leur vie et ils ne l'ont pas choisi. Ils sont nés, par exemple, dans une vie dans Bnei Brak, Rochov Rajbam, en dessous du Rav Chaim Ganevski. D'accord ? C'est là où ils sont nés. Alors, c'est leur chemin était tracé. Cheder, Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, Kolel encore,
Et voilà. Roche et Shiva, ou je sais pas. Là, ils n'ont pas choisi. On dira, monsieur, c'est Ravelot qui nous a dit ça. Hein. C'est pas mon... Il a dit un jour, plusieurs fois, il dit, on lui dira, nous, c'est quoi, t'as fait quoi ta vie? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai de ma vie? Mais je suis un truc super, regarde tout ce que j'ai fait. On lui dira, mais t'as rien choisi, t'as fait que faire la même chose que ce que tu as vu autour de toi. T'as singé, t'as fait la même chose que les autres. Est-ce que t'as vraiment choisi quelque chose? Lorsque t'as eu des épreuves, t'as été vraiment à la hauteur. Je vais te montrer là, ce moment-là où il y avait une petite épreuve, tu n'étais pas à la hauteur. Choisir, c'est exercer le libre arbitre. Exercer un choix, c'est pas évident qu'on l'exerce. On a fait plein de choses parce que voilà, la société veut, la pression sociale, le quand dira-t-on, ma femme, elle veut ceci, mes enfants, ils me regardent, je peux pas, etc. Tout cela, exercer un libre arbitre, c'est une ma'ala, c'est un niveau. Et c'est quelque chose que nous avons tous en nous, mais qu'il faut savoir exercer, c'est pas évident. Vous savez, enfin, vous nous regardez, nous les rabbins, on va à la synagogue le matin à Shacharit. Mais très franchement, je ne sais pas si on va être récompensé pour ça. C'est parti notre boulot, c'est notre job. On vient pas là de fila, on vient pas, c'est quoi ? Monsieur le rabbin, tu étais où ce matin ? Tu étais au lit ? C'est honteux même, je ne sais même pas, on n'a même pas l'envie de rester au lit. On voudrait rester au lit, on ne peut pas. Non, c'est compliqué. Donc on n'a pas de... Est-ce que par exemple sur Shabbat, est-ce que bon, le rabbin dit, voilà, ce Shabbat, il est parti faire du bowling là-bas, au centre du bowling à Boulogne, au lieu de venir à la synagogue vendredi soir. Je ne sais pas si M. Genèse ne va pas lui donner une lettre de licenciement pour votre lourde. Il n'a pas le choix, non ? Il est là, c'est lui qui fasse. C'est son job. Finalement, notre libre arbitre n'est pas le même en fonction de notre fonction et des circonstances. Mais il peut y avoir des situations où on ne choisit rien parce que tout simplement, on est comme ça, on est tombé comme Obélix, on est tombé dedans en étant petit. Il faut exercer un choix. Et donc, je reprends les trois éléments qui font partie de mon moi. Il y a la volonté, il y a la recherche du bien-être et la fuite de ce qui est le contraire, et le ratson, la volonté et le prira, le libre arbitre. Voilà, on a dit les trois choses. Ça, c'est le moi. Cette partie-là de notre être, cette partie-là, plus les midotes et traits de caractère, le vécu, tout ça forme une personnalité. Et cette personnalité-là, elle va accompagner la neshama, et c'est elle qui doit se relever après la mort. Mais pas seulement elle. Une partie du corps qui est sous terre, elle aussi va se relever. Et tout l'enjeu, dit le Ramchal, quelque chose d'extraordinaire, écoute bien ce qu'il dit. Il dit qu'une neshama ne peut pas s'élever si elle n'est pas en train d'être mashpia. C'est-à-dire que toute l'élévation est possible que si on a le jeu du mashpia et mushpa, celui qui donne et celui qui reçoit. Tout le monde, d'ailleurs on le voit, c'est un monde binaire, bereshit, bedreshit. On est toujours dans une dimension de Mashpia, celui qui donne et celui qui reçoit. Donc la Neshama, si elle est seule, elle ne peut pas évoluer. Or, la période de Triat HaMetim, c'est quoi ? C'est la résurrection d'or, c'est-à-dire c'est un moment où le corps sera purifié, l'âme sera reboostée, mais elle va continuer à évoluer. Les gens pensent que Triat HaMetim, c'est la fin. Non, Triat HaMetim, c'est encore un moment d'évolution dans une autre catégorie. Et cette évolution, elle est très importante pour nous préparer à rentrer dans l'Olam Haba. Et l'Olam Haba, c'est quoi le moment ? C'est Eliyahu HaNavi qui, avec son corps, rentre directement dans l'Olam HaEmet, avec le char céleste qui l'amène, le char de feu. Ça, c'est l'ultime étape. C'est-à-dire qu'on fait rentrer une partie de notre corps, peut-être pas la chair, mais une partie de notre personnalité a acquis l'éternité. C'est ça qui est important à comprendre. La capacité d'une âme à transcender le corps et à la rendre éternelle. C'est pour ça que l'image très connue, que j'aime bien citer, parce que franchement, elle est tellement vraie, cette fameuse histoire de cette parabole. C'était un roi qui a vu sa fille, elle était en train de se baigner dans une rivière, et à un moment, la rivière donc a subi une crue, et la rivière commence à... Donc il y a des courants extrêmement forts, et elle est en train de se noyer. Alors le roi, il est perdu, il dit, bon, il y a quelques paysans qui sont là sur la rue. Celui qui la sauve sera son mari. Il pourra se marier avec elle. Alors évidemment, tout le monde saute. Et il y a un paysan qui la sauve. D'accord ? Donc il attend la récompense et la main de la princesse. Le problème, c'est que lui, c'est un paysan rustre. Il n'a aucune éducation, aucune noblesse, il n'y a pas le choix, le roi il s'est engagé devant témoin, etc. Le bonhomme il a l'habitude d'avoir une salopette et il se met un costume 3 pièces, 5 pièces avec tout machin. Il arrive avec sa jeune épouse, elle a honte de lui dès qu'il ouvre la bouche. Il parle comme un paysan, comme un plouc, et elle lui dit tais-toi, c'est insupportable, tu me fais honte. Bon, il se tait.
Et maintenant, il se tait, les gens disent, bon, il parle, c'est honteux, il est le seul qui ne dit pas un mot. Alors, lui, il parle, il commence à dire, tais-toi. Et là, honte de sortir avec lui, il a dit, mais papa, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu m'as donné un mari, mais aucun rapport, c'est pas de mon niveau, c'est pas... Alors, son père lui dit, écoute, ma chérie, les circonstances sont ainsi, tu vas lui apprendre et tu vas l'éduquer. Au fur et à mesure, ce paysan, il prend le temps, il rentre dans l'université, qui apprend le protocole, enseigne les bonnes manières, etc., la culture, etc. Au fur et à mesure, il s'affine. Et finalement, la jeune princesse devient fière de son mari, qui a tout appris. Et nos sages nous disent que c'est exactement l'histoire de l'âme lorsqu'elle descend dans le corps. L'âme, c'est une princesse, c'est la fille de Dieu. C'est Chelek Elokam Imal. Le corps est rustre. Ce qui l'intéresse, lui, c'est un peu de glace et un bon steak. Et... l'âme lui dit, moi je veux Torah, Mitzvot, machin, ça le saoule. Et donc, il parle pas du même langage. Et au fur et à mesure, avec les années, lorsqu'on apprend et on pratique les Mitzvot, eh bien, on s'affine, on apprend le langage de l'âme. Et l'âme, finalement, est fière de nous. C'est en fait, véritablement, ce mariage contre nature qui, finalement, et c'est ça, ce que Hachem voulait, c'est que l'âme devienne un mashpia. Alors, dans la Kabbalah, on appelle ça un bor et un br. Bor, c'est écrit au début dans l'arkadama du Ktsot sur le Shachma Teta. Bor, c'est un puits, mais un puits d'eau stagnante. Et br, c'est un puits d'eau vive. Soit la Neshama, elle est comme un bor, c'est-à-dire elle est laissée dans un coin et elle pourrit et comme de l'eau stagnante, on sait ce que ça devient. Soit elle est de l'eau vive, c'est-à-dire qu'elle permet, elle est mashpia, elle a une influence sur le corps et à ce moment-là, c'est de l'eau vive, c'est-à-dire c'est la vie, alors que l'autre, c'est la mort. L'eau stagnante, c'est la mort. L'eau vive, c'est l'exemple de la vie. Donc, la Neshama, soit les BR, soit les bords. Et donc, si justement on lui donne la possibilité de BR, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle est mashpia. Elle va créer une influence sur le corps, elle va affiner le corps. Et c'est comme ça qu'elle va s'élever. Maintenant, le chidouche que je vous dis, c'est que même à la période de Triat Hametim, elle va continuer à influencer le corps et l'élever encore et encore. Ce sera une nouvelle étape dans l'élévation sans qu'il y ait l'option de faire le mal. Il n'y aura pas l'option mal, puisque le chali, etc. aura disparu. Mais même dans le asetov, dans l'action du positif, on peut aller et s'affiner au fur et à mesure en se motivant, etc. Donc il y a une sorte d'élévation qui ne peut se faire que s'il y a âme et corps. Donc la triat hametim est quelque chose d'indispensable pour que tout simplement l'histoire se joue. Sachez que toute votre vie, voilà, on est tous là. Je vous ai dit un grand, Moshe Shapira, un jour, il m'a donné un conseil qui est magnifique, et je vous donne à vous. Si un jour vous sentez que dans votre vie, vous sentez que vous stagnez, vous sentez que vous aimeriez bien passer à une autre vitesse, on dit comme ça, j'ai une idée extraordinaire. Devenez tous des rabbanim. Prenez pas la place de Rav Kassabi, mais vous allez voir, vous allez vous expliquer ce que ça veut dire. Chacun d'entre vous, vous avez des gens qui connaissent moins que vous, qui ont moins appris que vous, qui ont des moins de connaissances que vous, qui sont moins pratiquants que vous. Tous, on a quelqu'un qui est un peu en dessous de nous. Donc on est tous un peu un rave pour d'autres, d'accord? Pourquoi ne pas vous-même être enseigné? Vous allez voir comme ça apporte énormément le fait d'être mashpia, d'avoir une influence, c'est-à-dire de sentir qu'on fait avancer les autres, qu'on leur apporte quelque chose. Certains le feront dans la Torah, d'autres le feront dans le Gmilut Hasadim, mais on a tous besoin, on sent qu'on n'existe, qu'on vit que lorsqu'on donne. D'accord? C'est ça qui est le moteur de la vie. Et pourquoi Rav Shapira il m'a dit ça? Parce que je lui ai dit, voilà, j'ai des avrechim, il y en a certains qui sont un peu âgés, qui sont peut-être un peu... Il m'a dit... J'avais comme ça des réfrigérés un peu âgés. Il m'a dit, j'en ai fait tous des rachats yeshivot. Chacun, je lui ai donné une yeshiva de 2-3 élèves. Et ils sont devenus, ça les a transformés, ils sont devenus... En fait, chaque être humain, il a besoin de pouvoir donner. Mais ça fait partie de la création. Vous rentrez à la maison, toute la question de savoir, mi mashpia, mi mouchpa. Vous êtes avec votre femme, vous essayez de lui apporter un peu de l'enseignement que vous avez, de lui donner une certaine direction dans la vie. Elle vous apporte autre chose. Chacun reçoit et donne. Et c'est comme ça que c'est un couple et donc peut se réaliser. Bref, c'est dans la vie. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que Triat Hametim, c'est tout simplement le fondement du judaïsme, parce que c'est ça le but de la vie. C'est d'arriver à une situation où, finalement, le corps est amené, est invité dans le monde de la spiritualité. Il est transcendé. Ça s'appelle la transcendance. Oui. Oui. Et après, si elle dit, on a le corps qui agit sur l'âme. C'est-à-dire qu'en général, que le corps se nourrit de l'âme maintenant. Oui. Et qu'après, c'est l'âme qui se nourrit du corps. Donc, alors, je vois toujours qu'en fait, il n'y a pas de vraie différence dans
le corps, il faut penser que matériellement, il est plus bas que l'âme. Mais en fait, parce que c'est lié au fait que ce qui est plus bas matériellement a une source plus élevée que ce qui est plus élevé visuellement. Donc on a finalement un corps qui a matériellement plus bas, mais qui est à sa source plus élevé que le corps. Et aujourd'hui, en fait, c'est le corps qui profite de l'âme. Mais une fois qu'on a la triade intime, c'est le contraire. Et donc pourquoi? Parce que c'est la source du corps qui va se réveiller et qui va nourrir l'âme. Et puis là, normalement, c'est comme ça. Alors, moi, les sources que j'ai, c'est le Da'at Vunot du Ramchal. Le Ramchal, c'est un grand kabbaliste, très grand kabbaliste, et je peux vous dire que j'ai vu tout à fait autre chose hein, dans le Ramchal. Je suis certain que je peux vous donner même la référence dans Da'at Vunot. Clairement, il dit que l'âme continue à influer. Est-ce qu'il y a peut-être une certaine influence à un moment du corps sur l'âme? Je ne dis pas dit non, mais principalement là-bas, il dit que c'est l'âme qui continue à influencer le corps. Il dit d'ailleurs quelque chose de très intéressant. Il dit que l'âme est boostée une fois qu'elle retourne après 120 ans dans le ciel. Elle retrouve des forces nouvelles. Le corps est purifié. Donc elle a plus de force encore parce que le corps effectivement a besoin d'avoir une âme plus puissante parce que le corps est purifié, mais qu'elle reçoit du corps, peut-être que j'ai vu ça, je ne me rappelle plus, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'âme continue aussi à donner au corps même après être réanimée. C'est sûr qu'en fait une animation à l'âme qui n'a aucun intérêt au début à venir dans le corps, elle est liée au fait qu'en réveillant, de la même façon que le mariage, l'homme qui est Khatan, qui est de la racine de route d'Arga, quand il descend de son niveau, il va s'intéresser à la femme qui a priori est à un niveau plus bas. Malka et Malhout. Et en fait, pourquoi? Parce que l'origine de Malhout, c'est Atikyomil, c'est Inuket, Akuper, et que la femme, c'est, et que l'homme, c'est Zer Admin, ou encore Ari Admin, qui est Ritnut Akhet. Donc en fait, visuellement, on a l'impression que l'homme va descendre vers la femme, mais en fait, quel est son intérêt à lui? C'est d'aller réveiller la Ptinyut Akheter que lui n'a pas. Et là, pour l'homme, ce sera exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au moment du Triadamitim, on va avoir cette Hashpa'a dans ce sens-là. D'ailleurs, quand on dit qu'en général, la Kadosh choisit le juif, c'est Davka, le corps du juif. Parce que précisément, il est le plus matériel et parce que sa source est supérieure. Donc en général, aujourd'hui, on voit cette machine dans ce sens-là, mais a priori, c'est dans l'autre sens. Voilà, j'ai entendu ce que vous dites, mais moi, je vous dis ce que j'ai dans le Ramchal. Est-ce qu'il y a une marloquette? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je dis, je confirme, l'âme continue à influencer le corps, même après Triat HaMetim. Est-ce qu'il y a de temps en quelque part une petite influence du corps? Peut-être, mais ce n'est pas ce que j'ai... Je ne me rappelle pas avoir vu ça, mais j'entends ce que vous dites, mais j'ai du mal à accepter, quoi. Ce n'est pas ce que j'ai pu voir, moi. En tout cas, ce que je voudrais ici, c'est vous expliquer un petit peu vers où je voudrais vous amener. Lorsque je vous ai commencé en vous parlant de Triat HaMetim, au début de cette intervention, et je vous ai posé une question. Je vous ai dit, pourquoi c'est un fondement du judaïsme? Pourquoi c'est un fondement du judaïsme? C'est un fondement du judaïsme parce qu'en fait, chaque fois que vous avez des questions dans votre vie, comment ça se fait que Dieu a pu faire quelque chose d'aussi injuste, d'aussi incompréhensible, d'aussi bizarre? Et on a malheureusement, chacun d'entre nous, une liste très longue de questions sur des gens qui sont partis très jeunes, sur des familles qui ont été décimées, etc., etc. Malheureusement, la liste est très longue. Et qu'à un moment, on se dit, mais bon, trop de questions là, finalement, monsieur le rabbin. Qu'est-ce qu'on fait avec ces questions? Triat HaMetim, c'est de dire que ce que je crois, c'est qu'un jour, le jour où j'aurai toute la vision de tout ce qui se passe depuis la création jusqu'à la fin des temps, je dirai à ce moment-là, lorsque j'aurai cette vision, que ce qui s'est passé, c'était la meilleure solution. Non seulement ce n'était pas la moins pire, c'était la meilleure solution. Elle est impossible à dire cette phrase aujourd'hui, parce que cette phrase, elle est inaudible aujourd'hui. Il ne faut pas la dire. Mais une chose est sûre, c'est que la émouna dans Triat HaMetim, c'est de croire qu'un jour, c'est ce qui apparaîtra. Et j'y crois fortement. Et que même ce qui paraît être négatif, au contraire, c'était le tort et c'était vraiment pour le bien. Difficile à dire, mais il faut y croire. En fait, ce que veut dire Akadosh Baruch Hu nous dit, sans cela, si tu ne crois pas à ça, tu as un problème avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire des choses qui ne sont pas parfaites. Et tu me dis, oui, mais à la fin, ça va bien se finir. Oui, mais si à la fin, ça va bien se finir, et qu'à cause de ça, il y a eu des cadavres sur la route, il y a un problème. Ça ne suffit pas de dire qu'à la fin, il y aura un happy end. Mais pourquoi être passé par autant de déchets? Pourquoi autant d'échecs? Pourquoi passer par le Maboul? Pourquoi? Et donc, il faut être ma'amine que non seulement ce n'est pas, il y aura une happy end, mais que ce happy end va expliquer qu'en fait, ce qui s'est passé avant était nécessaire, indispensable pour arriver à happy end, et que finalement, ça prendra un nouveau sens. Ce qui est dur à entendre, mais ce qui, de temps en temps, sur Terre, on a des fois des petits flashs, on voit des choses
qui nous paraissait terrible et qui finalement s'avère être une bonne nouvelle. Mais on le voit chacun d'entre vie des fois, on pensait qu'il y a des choses étaient des échecs, et finalement ça s'avère des échecs qui sont devenus des chances pour nous. Ça on le voit des fois, mais il faut croire au niveau de l'histoire du monde. Prenons un exemple de ce qui se passe par exemple aujourd'hui. Vous savez que ce Shabbat, on a lu la guerre de Gog et Magog. Gog et Magog, vous savez que dit le Maalbim sur la guerre de Gog et Magog dans le chapitre 32 du Yechezkel. Il dit que Gog et Magog, c'est les circoncis et les incirconcis. C'est la guerre entre l'Orient et l'Occident, entre Ishmaël et Esav. Voilà ce qu'il dit. Et il dit que là-bas, dans Yechezkel, c'est écrit explicitement qu'à la fin des temps, ils feront une alliance, et qu'ils vont attaquer Israël à Yerushalayim. Alors déjà, il fallait dire, il y a 200 ans, lorsque Malbim a écrit ce qu'il a écrit, que la fin des temps se passera lorsque les Juifs seront déjà en Israël et qu'il y aura une alliance entre les Ishmaël et Esav, que nous voyons, mais d'une façon incroyable. Je pense que, par exemple, un indice qui est quand même incroyable, la France n'a pas de l'argent à dépenser pour rien, n'est-ce pas? Et elle continue à alimenter des Palestiniens qui écrivent dans leur manuel que la haine des Juifs ou financer des Palestiniens qui se sont la famille des Palestiniens qui ont donné les martyrs, comme ils appellent. Vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi ça peut être une très bonne excuse pour ne plus donner de l'argent? Et vous cherchez pas à donner de l'argent, vous cherchez plutôt à faire des économies, monsieur le Français, non? Mais on sent qu'il y a une sorte de volonté d'Esav et d'Ishmael ensemble, de Gog et Magog ensemble, réunis, de marcher sur Jérusalem. C'est très intéressant, et c'est écrit là-bas, ils marcheront sur Jérusalem. Vous voyez très clairement aujourd'hui que la politique mondiale, c'est de marcher sur Jérusalem. Dès qu'il s'agit de Jérusalem, il ne faut surtout pas que les Juifs rentrent sur le mont du Temple, parce que si le mont du Temple, ça explose de partout, c'est très grave, c'est machin. Qu'est-ce qu'il y a de si, dans quel problème? Donc c'est intéressant de voir comment les événements s'inscrivent dans une logique, et cette logique, elle va vers ce qui est décrit depuis toujours, Gog et Magog, qui se réunissent. Ce que je veux dire, c'est que même ces événements comme celui que nous venons de vivre, les Américains qui se retirent d'Afghanistan, est-ce que vous réalisez ce qui est écrit dans cet événement? C'est un événement qui vous avez tous été, qui a marqué tout le monde. Les Américains qui avouent, échec, nous n'avons pas réussi, pas contre les talibans c'est un détail, mais nous n'avons pas réussi avec les Afghans non talibans à les rendre américains, à leur faire adopter l'approche américaine, la démocratie, etc. Bref, on n'est pas arrivé. Pourtant, on a investi des milliards. C'est des gens très bien, c'est pas des extrémistes, c'est des gens... Mais c'est pas eux. Ils disent, voilà, c'est pas nous. Nous, on n'est pas des Américains. En d'autres termes, nous sommes des Ishmaélis, nous avons une certaine éducation, vous en avez une autre, et vous ne pouvez pas nous imposer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de rêver, ils savent qu'il veut marquer sa présence dans le monde entier, qu'il cherche à être le policier du monde, c'est-à-dire dire à tout le monde, soyez esaviques, est obligé de comprendre aujourd'hui, d'arriver à une conclusion que ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et vous avez vu qu'on a lu pendant tous ces jours de Soukhot, 7 jours, on lit, premier jour, 13 taureaux, deuxième jour, 12, 11, 10, c'est-à-dire en ordre décroissant, ça fait combien en tout? 70. Et si vous prenez, il y a une anomalie que certains remarquent. Des fois, c'est écrit « Seir izim le khatat » et des fois, c'est écrit « Sa'ir le khatat ». Vous avez remarqué cette anomalie? Dit le Gaon de Vilna. Si vous faites le compte de tous les nombres de taureaux sur lesquels, à la fin de chaque chapitre, il est écrit « Sa'ir », et une fois « Sa'ir izim », vous obtiendrez 35 et 35 taureaux. Et pourquoi 35 et 35? Parce qu'il dit qu'en fait, il n'y a pas 70 nations. Il y a 70 nations. Mais il y a deux blocs, Esav et Ishmael. Que deux blocs, Esav et Ishmael. Et ces deux blocs, ces 35-35, c'est eux qui donnent, qui influencent le monde d'une façon extrêmement puissante. C'est ce que dit le Gaon de Vilna. Faites le calcul. Sa'ir le khatat, vous comptez le nombre de taureaux. Sa'ir izim, le nombre de taureaux. 35-35. Incroyable. Ça veut dire qu'en fait, il y a ces deux, Ishmael et Esav, qui sont depuis toujours en train d'influencer. Mais qu'est-ce que la Torah veut nous montrer? Elle veut montrer simplement que depuis le 11 septembre 2001, depuis qu'il y a eu la chute des... Le monde, il est allé dans un autre domaine où, en fait, vous voyez que Gog et Magog, cette opposition, cette union, cette opposition est en marche. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'en fait, de la même façon que vous voyez que l'histoire du monde va dans une logique très claire, très précise, et que tous ces événements... Je vous raconte juste une chose que le Rav Sitruk Zichrono Livracha m'a raconté qui est choquante. Jacques Chirac, président de la République,
il pose une question au grand rabbin de France. Il dit, voilà, monsieur le grand rabbin, j'ai une question à vous poser. Je viens de parler avec monsieur Bush, président des États-Unis. Il m'a dit quelque chose, peut-être que vous allez m'expliquer. Il m'a dit, voilà, je veux faire la guerre en Irak. Et moi, je lui ai dit, mais monsieur Bush, vous savez, il n'y a pas d'armes chimiques en Irak. Vous n'avez pas les preuves qu'il y a une arme chimique. Pourquoi vous voulez absolument faire cette guerre? Vous savez, il n'y a pas de preuves. Et même d'ailleurs, dans le staff de Bush, beaucoup disaient, mais... Donc j'ai demandé à monsieur Bush d'une explication. Et vous savez ce que monsieur Bush m'a répondu, monsieur Laurent Ma? Il m'a dit, je sens que je suis porté vers ça, que c'est comme une force divine qui me porte à ce choix. C'est pas vraiment... En deux mots, c'est pas rationnel. C'est irrationnel. Je sens que je suis porté. Donc je ne me rappelle plus exactement les mots. Hein. Ça fait très longtemps que mon père m'a raconté ça. Mais que Chirac lui a dit, mais je ne comprends pas. Expliquez-moi comment Bush il réfléchit. C'est quoi cette force irrationnelle? C'est quoi cet homme qui fait prendre des décisions si gravissimes sur la base d'émotions et d'inspiration, etc. Mais en fait, on voit ici devant nous, Lev Melachim, Belav Hashem. C'est-à-dire que le cœur des rois dans les mains d'Hachem. Ça veut dire qu'en fait, ici, des gens prennent des décisions qui sont irrationnelles et qui vont amener le monde vers une certaine direction. Cette direction-là, nous devons voir devant nous ces événements qui se passent. C'est difficile hein, d'évaluer ces événements et de bien les comprendre leur portée, parce qu'on est encore dedans, mais de comprendre que de la même façon qu'on comprend que le monde évolue vers quelque chose, ce quelque chose, je sais que c'est la venue du Mashiach et la fin des temps, mais cette opposition entre Gog et Magog, et cette union qui va avoir lieu à un moment, et qui a déjà commencé à avoir lieu, et qui nous menace, et on le sent tous les jours, parce que vous imaginez bien que s'il n'y avait pas les Américains, on n'aurait aucun problème de régler le problème palestinien et du Hamas hein, dans les rues, par exemple, il n'y aurait aucun problème. Si véritablement on voit cette union se réaliser, et le monde avance dans cette direction, ce n'est pas par hasard, c'est pour nous dire, Hachem nous dit, j'ai un projet, et le monde avance vers quelque chose. Donc ne soyez pas impatients, vous voulez tout comprendre tout de suite, vous voulez couvrir toutes les solutions. Non, mais Chaye Metim, Akadosh Baruch Hu, je suis ma amie que ces choses-là que je ne comprends pas, ces événements, ces échecs, elles auront un sens un jour. Et ça, cette force de l'Aïmouna, c'est fondamental pour pouvoir être juif. C'est-à-dire, je ne vous ai pas donné une explication, je vous ai juste dit qu'il faut croire que non seulement il y a une explication, mais cette explication est tellement puissante qu'elle est dans la dimension d'une triade, quelque chose qui est mort. Elle donnera un sens à quelque chose qui paraît mort, à un échec. Vous comprenez? Et qu'on comprendra après tout ce qui est incompréhensible. C'est ça la triade métime. Mais Chaye Métim, c'est aussi la Teshuvah. Être capable de se dire, j'ai fait des bêtises. C'est Oshana Rabba. Dans quelques heures, on va nous juger encore une fois. Messira Taptakim, comme a dû vous rappeler le Rav. C'est-à-dire, on transmet le jugement. Vous savez, c'est comme dans un tribunal. Vous avez l'énoncé du jugement, vous avez la signature. Et après, vous avez le greffier ou l'huissier qui transmet à l'accusé l'énoncé du jugement. Nous, c'est écrit, c'est signé, il ne faut plus que transmettre. Maintenant, au dernier moment, ça peut changer. Ça peut ne pas être transmis, on peut retenir, ça peut ne pas arriver, puis avoir un problème. Et à ce moment-là, vous savez très bien que légalement, vous n'avez pas encore été accusé, signifié. Tant que vous n'êtes pas signifié, ce n'est pas terminé. Donc on n'a pas eu la signification, c'est la messira, elle n'est pas encore faite. Donc on peut tout faire et tout changer. Pour cela, mechaye metim. Sachons donner à nos échecs, à nos erreurs, une nouvelle vie. En se disant, finalement, j'ai fait des bêtises et des erreurs cette année, et finalement, ça m'a permis de mieux me connaître et de comprendre que l'année prochaine, non seulement je ne referai pas les mêmes erreurs, mais ces erreurs vont être mes morim, mes enseignants, ceux qui vont montrer le chemin. Et montrer le chemin à travers l'échec. Celui, vous savez, qui réussit dans la vie, ce n'est pas quelqu'un qui ne se trompe jamais. C'est quelqu'un qui se trompe, mais qui se relève après. Et il se relève après plus fort, parce qu'il a appris de ses échecs. Et c'est ça qu'en fait, je voulais vous expliquer dans Triat HaMetim. C'est ça la force de Triat HaMetim. Vous savez qui est notre exemple? C'est Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il est mort, il a revécu. C'est-à-dire quoi? Il avait revécu. Tout le monde pense que c'était une catastrophe, parce que sa maman Sarah est Nifteret. Vous savez tous qu'avant, il avait une Neshama, une âme féminine, qu'après ce moment d'Akedat Yitzhak, il a une âme masculine. Et que c'est à ce moment-là qu'il a pu véritablement être le père. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on lui a annoncé la naissance de Rivka. C'est-à-dire que tout cela était réfléchi, pensé, dans un but constructif. C'est pour ça que Yitzhak, c'est un jeu de mots. Ketz Chai. Ketz, c'est la fin. Chai, il vit déjà. Il a vu la fin. Il est celui qui voit les deux mondes. Et vous savez ce qu'il fait Yitzhak? Il brille, il rigole. Vous savez pourquoi il rigole? Parce que imaginez-vous, vous êtes là-haut. Et vous voyez les gens en train de se dire, mais pourquoi et comment, etc. Mais vous, de là-haut, vous vous dites, mais... comprennent pas, mais c'est tellement simple. Tellement simple.
Mais ils ne comprennent pas, mais après, ils ne comprennent pas les pauvres. Alors, rappelez-vous ce que rappelait le Rav Tzitruk, on se dit qu'on lui aura toujours cette histoire qu'il ne faut jamais oublier. Un jour, le Ramban a assisté à un de ses élèves à ses derniers instants. Il a dit, tu vas aller dans un monde de vérité, j'ai trois questions. Tu reviens en rêve dans un mois, tu me dis les réponses à ces trois questions, j'arrive pas à trouver de réponse. Le Rav dit d'accord, et en échange, je te donne une clé pour arriver directement au Kissé Hakavod, tu vas voir, c'est un sésame ouvre-toi, magnifique. Bon, affaire conclue, il meurt, il revient. Il dit merci beaucoup Rav Ramban, c'est extraordinaire votre formule, elle a été extraordinaire, sésame ouvre-toi, tout s'est ouvert, magnifique. Et alors le Rav dit bon, maintenant c'est à toi de payer ta partie. Il dit, Rav, je vous explique très franchement, vos trois questions, je suis désolé, mais elles ne commencent même pas. Ce n'est même pas des questions. Je ne peux même pas vous les répondre, tellement ce n'est pas des questions. En deux mots, une fois qu'on passe de l'autre côté, il y a des choses qu'on comprend, qu'il est impossible de comprendre en tant qu'être humain, avec des yeux de chair et de sang. Et c'est ça la problématique de la Emouna. C'est qu'il faut essayer de se penser que des fois, de l'autre côté, il y a une autre façon de voir le monde qui est totalement différente. Alors c'est dur, parce qu'on dit, mais je ne comprends pas... Le Ramban a trois questions qui ne sont pas des questions. Donc nous, on a tellement de questions qui n'en commencent même pas. Alors sachons avoir la Emouna dans Triat HaMetim qu'un jour, ces questions-là, ces erreurs-là, vont être la source d'un Bezrat Hashem, d'une Techia, d'un réveil. Et je voulais vous féliciter parce que à 7 heures du matin, à 4 à 5 heures du matin, ce n'est pas l'heure la plus facile, je crois que j'ai choisi. Et puis vous êtes vaillants. Et vous, Bezrat Hashem, par le mérite de ce sommeil que vous chassez vaillamment, alors que moi je pars, c'est facile pour moi, mais vous écoutez, oh, c'est pas facile du tout. Donc je vais me retirer, vous laisser de nouveau à la suite de votre veillée. En tout cas, je veux dire que Bezrat Hashem, que cette année, on est véritablement le sourd de voir une vraie Triat HaMetim qui se réalise en nous et que toutes les questions se répondent, Bezrat Hashem. D'accord, merci beaucoup. Merci. Allez les amis, on prend quelques minutes, on prend un peu l'air et on continue. Allez, dans 5 minutes, on reprend la suite, le dernier chiour, avant les slichot.